Quel spectacle, quel spectacle et quel sentiment. On est vraiment content. On savait bien que ça allait jouer sur la fin du match. C'est vraiment là qu'à la mi-temps, on a dit le 0-0, c'est parfait pour nous. S'il y avait un goal qui tombait, que ce soit pour eux ou pour nous, on allait gagner. C'est sûr. Et quel sentiment à ce moment? La joie, là, on peut être que content. C'est magnifique, c'est... Célébré comme meilleur gardien de but et on joue mieux sans gardien. Non, on joue pas mieux sans gardien. C'était 0-0, il fallait marquer. Le mieux, c'est gardien volant et ça a débloqué la situation, on a bien joué. Le double, Coupe de Belgique, championnat, c'était l'objectif avant la saison? L'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on est arrivé en demi-finale des play-offs. Donc on est arrivé en finale, et en finale, il n'y a plus que deux matchs. On doit tout donner, il n'y a plus de... Je crois que c'est le plus beau titre de toute ma carrière. Maintenant, on n'a pas été... On n'a pas signé sur nous au début de saison. Mais encore une fois, on a fait le doublé. Et par où on ira, on fera le doublé. Et on restera longtemps à Gold et on fera le doublé chaque saison. C'était un apothéose. Pas du normal, hein, la fin du match. Je pense que le futsal, c'est comme ça. On s'est donné à fond jusqu'au bout. Et il ne faut jamais faire la fête trop vite. Quelques autres choses à dire? Félicitations à Goyk. Il mérite avec tout le parcours qu'ils ont fait. Un coach qui était heureux, après déçu, et maintenant? Je suis très content. Je crois que le groupe a bien travaillé, ils ont bien mérité. Je crois que ça, c'est la récompense de le travail de 10 ans. Je pense que je n'ai rien fait de plus, à part donner la motivation. Je pense que c'est un groupe fantastique, extraordinaire. Je crois qu'ils sont bien mérités. Mais quelle apothéose, hein? On joue sans gardien de but et on commence à faire des buts. Ça fait partie du sport, c'est la loi, c'est des règles de jeu. On travaille tous les jours, on prépare les choses. Et là, ça a bien marché aujourd'hui. Je suis le coach plus heureux du monde. Le match était très physique avec assez de fautes, mais dans un esprit sportif, c'est juste? Bien sûr, c'était un grand match pour tous les téléspectateurs qui sont venus et voir cette grande finale. On a perdu la manche aller, mais on savait bien que rien n'était perdu. J'avais très confiance. J'étais très confiant avec mon groupe parce que je sais bien la capacité qu'ils ont. Et aussi, je dois remercier mon préparateur physique. Quand je suis arrivé, j'ai fait un pari, il est là. Il a montré de son potentiel ici. Parce que le deuxième mi-temps, c'est nous qu'on était plus forts physiquement. Et grâce à ça, on était champions aujourd'hui. Mais phase peut-être décisive était après 15 minutes. Phase avec la carte jaune et penalty, oui ou non, selon vous? Bah, je ne pense pas, je ne suis pas là pour juger la faute. Peut-être qu'il y a eu des fautes, peut-être pas. Comme il y a eu plus de fautes pour nous, il n'a pas sifflé. Je pense que c'est parti, l'arbitre, il a fait un excellent travail. Je pense que le match, il a mérité pour tout le monde. Je crois que la pièce, elle a tombé dans le bon côté. Magnifique, il n'y a pas de mots pour exprimer notre joie. Surtout qu'Anvers, la semaine dernière, nous a bien donné une leçon de futsal. Anvers, la semaine dernière, a réagi après deux buts d'écart. Donc Anvers, c'était très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a prouvé quand même qu'on mérite ce titre parce qu'on a joué en équipe. On laisse les trophées individuels à tout le monde et nous, on prend les trophées en équipe. J'ai vu à un certain moment, vous vous êtes fâché. Oui, parce que c'est une finale. Donc, on est obligé de jouer. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de talent. C'est en équipe, c'est en force. On doit tous défendre ensemble et attaquer ensemble. Donc, quand il y a un joueur ou l'autre qui ne réagit pas, on est là pour le motiver. Quel sentiment à ce moment? Ja, we zijn gewoon ongelooflijk blij dat we hebben deze titel gewonnen. We zijn gewoon betaald voor onze werk. Ik vind dat Antwerpen heeft een hele mooie partij gedaan, een hele mooie seizoen. Ze hebben goede resultaten gehad tijdens het seizoen. Maar vandaag, we hebben tot de laatste seconde, we zijn kalm gebleven en we hebben toch die match gewonnen. Inderdaad, een zeer onwaarschijnlijke ontknoping, een apotheose du jamais vu. Ja, het is waar. Het was gewoon een speciale match. Topwedstrijd. Ik vind 0-0. Het is 0-0 gebleven, maar de twee ploegen hadden vele kansen. De match was gesloten en op het einde zijn we gewoon kalm gebleven en we hebben die match gewonnen. Met de beste keeper van dit seizoen, maar scoren zonder een keeper in jullie doel. Ja, het is waar.
We hebben een tactieke oefening gedaan deze week tijdens de training. Om te kunnen misschien op het laatste seconde de match winnen. En vandaag het heeft betaald. We zijn gewoon blij dat onze training heeft ons geholpen.